professionnels des vidéos sur les laisses de chiens faites maison. Nous avons déjà vu maintenant la laisse de dépannage, la laisse d'éducation, et dans la présente vidéo, je vais vous montrer comment faire une laisse de sortie. Cette fois-ci, on va se servir de mousqueton. Vous noterez d'ailleurs que je porte ici le t-shirt de la Société Nationale des Sauveteurs en Mer. Plus de détails dans la première vidéo de la série, et je ne peux que vous inviter à faire des donations si vous en êtes d'humeur. Le lien est plus bas. C'est extrêmement simple. Il nous faudra deux mousquetons. Il nous faut une corde en nylon souple. C'est très important de prendre en nylon souple, sinon vous allez vous faire mal aux mains. Ensuite, on va se servir de cette petite chute de bois en guise de planche pour découper la corde. Et enfin, on va se servir dans ma boîte à outils de base du cutter. Et pour terminer, on aura aussi besoin d'un briquet. J'en profite pour vous préciser que ce type de mousqueton est beaucoup plus simple d'usage car il est plus large ici. Il permet plus facilement de sortir d'éventuelles accroches. Par rapport à celui-ci, qui oblige d'aller beaucoup plus en profondeur. Donc ça marche aussi, mais c'est moins bien. C'est à peu près le prix d'une laisse en commerce, avec évidemment l'avantage que vous puissiez l'adapter à vos propres besoins. Mes besoins, je vais prendre à peu près 2 mètres. Mais on va déjà commencer par le bout. Donc on va faire un nœud très simple, extrêmement résistant. Ici juste après. Sur la longueur, et moi ici je vais prendre cette longueur de table, c'est à peu près 1,80 m. Fondre les bords pour éviter qu'elles ne s'étiolent. Donc ça c'est pour s'assurer que les différents morceaux de fil ne vont pas créer. Ne vont pas s'étioler. Donc je vais faire la même chose ici. Je prends le deuxième mousqueton. Et on refait le même nœud de ce côté-ci. Thank you.
Voilà les amis, votre laisse est prête. Je vous explique rapidement le principe. Donc là ici, c'est une longe ici, elle fait on va dire 2 mètres de long. Et on peut, avec le mousqueton qu'on a mis à l'arrière, bloquer ici. Donc maintenant ici, on a une laisse d'une longueur normale à peu près, ici c'est on va dire 1,80 m. Cette corde n'est pas sans nous rappeler le jeu de la corde que je vous invite à regarder dans ma vidéo sur les 3 trucs pas chers ou gratuits pour le chien. Voilà les amis, nous avons maintenant notre dernière laisse de sortie et je peux vous inviter à rejoindre le dernier modèle de la série qui est le modèle de la longe qui va nous être expliqué cette fois-ci par mon fils Lorenz qui en réalité est l'inventeur de cette laisse au départ basée sur une corde pour installer un hamac. Donc à tout de suite sur Happy Hour TV 1.